Bonjour à tous. Après les kata Heian, place maintenant au kata Tekishodan. Kata un petit peu plus compliqué, on passe une catégorie supérieure. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons aborder le relâchement musculaire. Dans Tekishodan, il est très important. Pourquoi? Parce que les armées sont très courtes. Ce qui fait que l'on ne met pas forcément en valeur l'explosivité, d'autant plus que les techniques sont enchaînées. Donc pensez à bien relâcher les épaules et mettre un verrouillage juste à la fin. Verrouillage et verrouillage juste à la fin. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.